Good morning, everyone. Merci d'être présent encore ici. Thank you for being here today. Pour cette nouvelle conférence de presse. For this new press conference. Hier, nous avons eu l'honneur et le bonheur de recevoir le nouveau DG et son vice DG. Yesterday, we have been honored to receive the new general director and his vice general director. C'était tard dans la nuit. It was very late in the night. Et ce matin encore, vous êtes là. And today again, you are here. Et vous avez bien fait d'être là parce que nous avons l'un des, disons, plus chanceux de participants de ce congrès. And you did good to be here because we do have most of the luckiest person to be here. Parce que son pays va recevoir la prochaine édition du congrès en 2025. Because his country is going to host the next edition of the Congress in 2025. Et nous sommes tout aussi heureux, bien entendu, d'avoir la primeur de sa réaction. And we are also honored to have his first reaction. Il est le patron, comme on dit chez nous, chez les francophones. Il est le big boss. As we said in the francophone, he's the big boss. De Emirates Post Group. Of Emirates Post Group. En anglais, on dit CEO. In English, we said CEO. Et il est donc là aujourd'hui. And he's here. Pour nous parler de cette vision, du projet de son pays. Concernant l'Union Postale Universelle. To talk to us about his vision and the project of his country, about the Universal Postal Union. Et surtout nous dire comment son pays va s'organiser pour cette prochaine édition. And also tell us how his country is going to be organized for the next edition. Alors l'exercice est très simple ici, monsieur le CEO. And the exercise is very simple here, Mr. CEO. Un propos introductif de sa part. We are expecting an introducing word from your side. Et ensuite, quelques questions des journalistes. And after that, some questions from the journalists. Et comme nous savons que c'est une journée aussi chargée avec des élections qui ont lieu et qu'il a distrait quelques instants de son temps, nous irons un peu vite. And we know that today is a very full day due to the election. And we know that you made some time for us, so we are going to go faster. Merci encore. Thank you again. La parole est à vous. And the word is yours. Thank you. Merci. It is an absolute honor to be here in Côte d'Ivoire. We would like to thank the Côte d'Ivoire government. C'est un honneur pour nous d'être ici en Côte d'Ivoire et nous souhaitons remercier le gouvernement ivoirien. Côte d'Ivoire people. Les Ivoiriens. It is an extraordinary experience for us. It's my first time being in West Africa. C'est une expérience extraordinaire pour moi. C'est la première fois que je viens en Afrique de l'Ouest. And I'm really lucky to be in this beautiful city of Abidjan. Et je suis vraiment chanceux d'être dans cette très belle ville qui est Abidjan. Definitely, this postal congress was a very successful one. Définitivement, je peux dire que ce congrès postal a été un des plus bien organisé, succès. As we all are aware, with the pandemic that's really challenging the whole world, this conference was really put at a big risk for it to happen. And comme nous savons, nous sommes en ce moment dans un contexte de la pandémie et ça a été vraiment un défi pour tous les pays du monde entier. Et avoir ce congrès ici en Côte d'Ivoire était vraiment un défi à relever. I'm personally very happy that this congress took place. Et personnellement, je suis vraiment content que ce congrès ait eu lieu. And that the UPU could continue their great work that they've been doing. Et que l'UPU peut continuer le bon travail qu'ils ont l'habitude de faire. Definitely, the congress has a lot of great topics and a strategy that put forward for us. Et ce congrès a beaucoup de sujets importants et surtout de grandes stratégies qui ont été mises sur la table pour nous. As you're all aware, the last 3 days have been a very busy 3 days of selecting the host country, selecting the director general and the deputy director general, and selecting the CA and POC members. So it's been a very busy and exciting moments. Comme vous avez pu le savoir, ces 3 derniers jours ont été très, très, ont été des journées bien remplies parce que nous avons été occupés à choisir le pays qui devra abriter la prochaine édition, choisir le futur directeur général de l'UPU et son vice-président et élire aussi d'autres membres du conseil. As we represent the United Arab Emirates and Emirates Post Group, we're very honored to really host the next round of the UPU 28th Congress in Dubai in the year of 2025.
Et en tant que représentant des Émirats Arabes Unis et de la Poste, nous sommes vraiment contents de savoir que nous allons abriter à Dubaï la prochaine édition de ce congrès. The message was received by the United Arab Emirates at the same moment when it was announced. Le message a été reçu par les Émirats Arabes au même moment où cela a été annoncé. Everybody is very happy back home. Tout le monde est content au pays. And the work started for preparation from that moment. Et le travail pour commencer à se préparer a commencé à ce moment précis. The government have promised to make the Congress of the 28th a Congress that cannot be forgettable. There will be a lot of work in logistics, but a lot of fun with it too. Les Émirats Arabes Unis ont promis de rendre la 28e édition du Congrès Postal Universel une aventure inoubliable. Il y aura beaucoup de travail à faire au niveau de la logistique, mais il y aura aussi beaucoup de divertissement. I mean, definitely once we go back home, we're going to be start working on the Abidjan strategy to make sure that we really put everything that we discuss here back into work and to make sure that we work as in a union again to make this logistics sector successful. Et dès que nous allons retourner dans notre pays, nous allons commencer à mettre en pratique la stratégie d'Abidjan afin de s'assurer que tout ce que nous avons décidé ici, nous les mettions bien et bel et bien en place. Very quickly, just a small brief on Emirates Post Group and how do we function back home. Donc rapidement, je vous donne un petit topo sur la Poste des Émirats Arabes et vous expliquer comment est-ce que nous fonctionnons dans notre pays. The post has been very successful back in the United Arab Emirates, but we still have the same challenges that everybody else has, that the digitization have really taken up very fast. La Poste se porte très bien en Émirats Arabes Unis, mais nous avons les mêmes défis que tous les autres pays ont. Il s'agit de la digitalisation. As we all know, the traditional post is facing huge challenges. Et comme nous le savons, la poste traditionnelle fait face à des défis très importants en ce moment. The great news that there is new industry that coming up to support the post as e-commerce. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a un nouveau secteur d'activité qui est venu pour pouvoir soutenir la poste, en l'occurrence le e-commerce. And the digitization world have made it much easier to do business electronically. Et le monde de la digitalisation a permis de faire des affaires beaucoup plus facilement électroniquement. Our strategy focuses on being a customer centric in back in Emirates Post. Notre stratégie consiste à faire un focus sur les besoins des clients. And a lot of digital products. Et aussi beaucoup de produits digitaux. And support the e-commerce growth. Et puis soutenir la croissance du e-commerce. And we're always looking for new opportunities that we can really share some experiences and learn from other colleagues in the industry. Et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles expériences pour pouvoir apprendre de nos collègues. This is in brief on Emirates Post Group and what is the functions that we're pursuing within the strategy. Voici ici le petit brief sur la poste de l'Émirat Arabe Uni et de son fonctionnement. We really thank the Côte d'Ivoire government again, as I said, and the organizers to allow us to come and speak to you guys. Et nous remercions une fois de plus le gouvernement de la Côte d'Ivoire et son comité d'organisation qui a permis que nous puissions être là ici pour pouvoir échanger avec vous. And we're ready for any questions if the press have some. Et nous sommes prêts pour les questions de la presse. Très bien. Chers amis, merci beaucoup. Dear friend, thank you again. Les amis de la presse, nous vous avons envoyé le protocole de l'interview. Dear friend of the press, we sent you the protocol of the interview. Donc, on va prendre 3-4 questions. So we are going to have 3 or 4 questions. Et ensuite, notre invité conclura. Donc, des questions en rapport avec le sujet postal. And the question linked to the postal topic. Bonjour, monsieur le directeur. Good morning, Mr. Director. Je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. My name is Stéphane Betty, journalist from Panafrican Agency Press. Votre pays vient d'être choisi pour abriter la prochaine édition. Your country has been selected to host the next edition of the Congress. Des assises de la poste. Oui. Bon.
Quelle expérience avez-vous reçu ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire bénéficier à votre pays lors du 28e congrès? Which experience did you gain here in Abidjan that your country will benefit from you? I mean, thank you for this. It's a very good question. Merci, c'est une très bonne question. Definitely, there is a lot of experiences learned here from the successful congress. C'est clair qu'il y a beaucoup d'expériences que j'ai acquises de ce congrès qui a été un vrai succès. We always like to really learn from the past congresses such as the Doha, Istanbul and Abidjan. Nous aimons apprendre toujours des congrès qui se sont déroulés dans le passé comme Doha, comme Abidjan. One of the things that we would like to really do is to make sure we connect with all countries, the members of the UPU, through a survey and ask what new they would like to see in the Congress. Une des choses que nous sommes sûrs que nous voulons faire, c'est que nous allons pouvoir nous mettre en relation avec tous les pays membres de l'UPU au travers d'une étude pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir lors de ce congrès dans notre pays. And this is what hopefully we're going to be start working on for the next 4 years. Et par la grâce de Dieu, c'est par cela que nous allons commencer à travailler durant les 4 ans à venir. Merci bien. Je suis Angra Lazar, infodirect.net. My name is Angra Lazar from the media Info Direct. Tout à l'heure, le directeur a dit qu'ils allaient améliorer la logistique. Earlier, you mentioned the fact that you are going to work on the logistics. Est-ce qu'il peut nous citer dans quel domaine ils vont améliorer cette logistique? Au niveau aérien, au niveau terrestre, bon, je ne sais pas. Can you please tell us in which area you are going to work on the logistics? Is it going to be airplane or is it going to be on the road? Can you please give us some more details? Et puis, la deuxième question, je ne sais pas si c'est possible. My question has a second aspect. Je voudrais savoir quel est le rôle que joue la poste. I would like to know what is the role that every post plays. Dans le développement du tourisme. In the development of tourism. Merci. Thank you. Definitely. So the first part of the question. Le premier aspect de la question. As I'm sure a lot of you guys are aware that the United Arab Emirates geographical location makes it a regional hub for logistics. Comme je pense que certains d'entre vous ici le savent, la situation géographique des Émirats arabes favorise déjà cet aspect de la logistique. The country have built a world-class infrastructure. Le pays a construit des infrastructures mondiales. To have a multi-modal logistics options. Pour avoir un modèle de logistique qui a plusieurs options. As we have one of the biggest or multiple of biggest ports in the world, Khalifa Port and Jebel Ali Port. C'est vrai que nous avons quelques-uns des plus grands ports, notamment le port de Khalifa. Can you please remind me the second port you mentioned? Jebel Ali Port. Et puis le port aussi de Jabala. And this makes the sea logistics very well connected within the region. Et ça permet que toutes les voies marines sont très connectées à l'intérieur du pays. As the country has two of the busiest airports in the world, Abu Dhabi Airport and Dubai Airports. Et ce pays a aussi deux des aéroports les plus bondés, notamment Abu Dhabi et Dubai. And we have more than five national airlines. Nous avons plus de 5 lignes aériennes nationales. Emirates Airline, Etihad. Emirates Airline, Etihad. Fly Dubai, Fly Dubai, Arabia. Arabia. That makes the logistics part very well connected. Et ça fait que cet aspect de la logistique là est très développé. And it supports the whole industry. Et ça, c'est un support pour toute l'industrie. Emirates Post and specifically, la poste des Émirats de façon plus spécifique, support in the last mile business, est un soutien pour le dernier maillon de la chaîne, and especially the e-commerce requirements, et surtout les besoins du e-commerce.
This is trying to cover the first question. The second question. J'ai essayé de répondre à l'aspect de la première question, la deuxième question. Emirates Post work very closely with all government entities. La Poste des Émirats Arabes travaille en étroite collaboration avec toutes les entités gouvernementales. It supports tourism in multiple magnitude. One that we have a huge network around the country. C'est un support pour le tourisme et d'autres aspects à partir du moment où nous avons une grande connexion à l'intérieur du pays. So people can access the branches to send mail and receive mail. Et les gens peuvent venir dans les différentes branches pour pouvoir envoyer des emails ou en recevoir. It definitely support tourists for all of their shopping requirements and needs. Bien évidemment, la Poste vient en soutien à tous les touristes en ce qui concerne leurs besoins en matière de shopping et autres besoins exprimés. So they can reship everything that they buy in the country through the post. Ils peuvent aussi envoyer à l'extérieur tout ce qu'ils ont acheté dans le pays au travers de la poste. And give them access to some other government services through the post. Et aussi ils ont accès à certains services du gouvernement via la poste. I hope I answered your question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Nous allons peut-être question from the journalist. Yeah. Okay, bonjour, je suis Patrice Alebe, journaliste à APA News. My name is Patrice Alebe from APA News. Okay. Le secteur postal contribue à quel taux au PIB de votre pays et quelles sont les ambitions donc, dans le secteur postal que vous avez pour votre pays? On va aller petit à petit. Le premier aspect de la question, répétez s'il vous plaît. Donc, le premier aspect, c'est le secteur postal contribue à quel taux au PIB? Okay. De leur pays. The post, what is the contribution of the postal sector into the development of your country? Le deuxième aspect. Le deuxième, quelles sont les ambitions voilà qu'ils portent pour le secteur postal de son pays? What are your ambitions for the postal sector of your country? I mean, definitely, the logistic business overall plays a very big role in the GDP of the country. So we anticipate. C'est clair que le secteur de la poste contribue à un fort taux en ce qui concerne le PIB de notre pays. I mean, I think there are studies that shows that by 2022, the value of the business when it comes in logistics around $60 billion. Il y a des études qui prouvent que d'ici 2022, l'apport de la logistique au niveau postal sera autour de $6 billion. Definitely, the post is part of that industry. C'est clair que la poste fait partie de cette industrie. Emirates Post has been profitable over the years. La poste des Émirats arabes a été rentable depuis un certain nombre d'années. And it's been reinvesting their investment into. Et nous avons réinvesti ce profit dans. To grow their offering for the customers. Nous avons. To make sure. Nous avons investi ce profit dans développer les offres vis-à-vis de nos clients. And to make sure that they provide world-class services to the citizens. Et nous assurer que ils mettent à disposition, que nous assurer que la poste met à disposition des services pour toutes les classes sociales. And to really find a lot of venues of innovation to provide more products. Et aussi trouver plusieurs endroits pour pouvoir mettre à disposition des clients différents produits. I hope I answered your question there. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le CEO. Thank you very much, Mr. CEO. J'ai juste deux petites dernières questions à vous poser. I just have two last small questions to ask you. Des chiffres, parce que nos journalistes ici aiment beaucoup les chiffres. Some figures, because here our journalists like figures. Combien de bureaux de poste compte votre pays? How many postal offices do you have in your country? Et combien d'employés compte le groupe que vous dirigez? And how many employees are in the group that you are ruling? We have 90 plus post offices around the country.
90 plus, around 92. Okay. Yeah. Donc nous avons un peu plus de 90 ou 92 bureaux de poste dans le pays. We are adopting PUD network, which is pickup and delivery, and we're providing around in the next 3 years around 500 locations for the pickup and deliveries. Nous avons opté pour un réseau de livraison rapide, et dans les années à venir, nous aurons un peu plus de 500,000, you mentioned. 500 locations. Dans les années à venir, nous aurons un peu plus de 500 endroits de points de livraison. And over the next 5 years, we're trying to implement electronic lockers to deliver parcels. We're planning to have another 500 lockers over the next 5 years. Et dans les 5 ans à venir, nous sommes en train de nous organiser pour avoir 500 points électroniques pour pouvoir permettre à nos utilisateurs de pouvoir faire passer leurs colis. Et dans les 5 ans à venir, nous aurons aux alentours de 500 points. The whole group consists of around 3,000 employees. Dans tout le groupe, nous avons autour de 3,000 employés. Très bien, ce sont des chiffres très intéressants. Bravo. Thank you, they are very interesting figures. Pour votre leadership à la tête de ce groupe. Congratulations for your leadership at the head of this group. Et nous avons hâte de vous retrouver en 2025 à Dubaï, si Dieu le veut. And we are impatient to meet you in 2025 in Dubai, if God wants. Nous allons vous inviter à conclure ce point de presse. We are going to ask you some ending words. En vous remerciant encore de votre disponibilité. While thanking you for your availability. Thank you. Really been delighted to be here. I hope I answered a lot of the questions that you guys have. Merci and definitely, beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. J'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous aviez. You're all more than welcome to visit Dubai for the Congress. Vous êtes plus que les bienvenus à venir visiter Dubaï pour le prochain congrès. As we having from 1st of October the Expo 2020, one of the biggest events globally. Et comme le 1er octobre 2020, nous allons avoir un événement d'exposition qui est l'un des plus grands événements dans le monde entier. So we don't need to wait for 2025 to come and visit Dubai. Yeah. You're more than welcome from the 1st of October to come to visit Dubai. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre en 2025 pour venir visiter Dubaï. Vous pouvez déjà venir visiter Dubaï le 1er octobre 2020. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. On peut applaudir notre invité. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire quelques photos de famille, les journalistes et les organisateurs. So we are...